Allez, salut tout le monde les gens, et bienvenue pour ce 11e épisode de Taille Concerto. Donc hop, on va donc je continue à chercher les sœurs. Donc là je vais aller à Grimto. Je pense que c'est Grimto, je me souviens plus du tout. Comme je vous dis, c'est des jeux que je refais ouais, après plusieurs années de recherche. Bah oui, c'est Grimto, vous voyez. Mince. C'était Grimto. Hop, est-ce que c'est par là? Moi je l'espère. Il y a l'air d'avoir personne par ici, donc hop, on fait demi-tour. J'avais pas vu cette... Voilà, hop. Donc, elle doit être dans la zone d'à côté. Hop. Ah ben voilà, elle est direct ici. Donc voilà, et donc la dernière sera qui est Alicia, je pense qu'elle ça va être plus difficile de la ramener. Comme on peut le constater, la musique est toujours bien. Hop.
Hop, donc voilà, je pense que ça va être la suite, hop, des choses. Je sens qu'il va se passer quelque chose de pas normal, hop. Je sentais bien que ça allait arriver. Bon, je vous avoue que je connais déjà l'histoire, mais bon, ça fait un moment, comme je vous dis, que je ne l'ai pas refait. Donc... C'est le rire le plus machiavélique que j'ai entendu. Hop. Là, on peut constater la recréation du géant d'acier. Hop, donc là, je pense qu'il va falloir parler à tout le monde. Ça a l'air pas de faire grand-chose au roi. Hop. Je pense qu'on a parlé à tout le monde, je pense. Ah non, il y a encore des personnes à qui parler, donc les autres sœurs. Ah voilà, bah en fait, ouais, il fallait parler à tout le monde. あのペンダント、やっと思い出したよ。初めて会った日に泣いている君を励まそうと思って、思わず差し出してしまったんだ。
母さんの片身だったけど。そしたら君は言ったんだ。あんただけは猫人の味方だねって。ワッフル様、言ってあげてください。あの人きっとあなたを待っています。Et voilà, donc on entre dans le dieu géant d'acier pour, je pense, le combat final. D'accord, il n'est composé que d'eau apparemment. Je peux faire des sauts beaucoup plus haut, donc je pense qu'il faut que j'aille tout en avant. D'accord, je suis téléporté. Oulala. Des plateformes mouvantes, c'est un peu dangereux, j'ai l'impression. Heureusement, quand je tombe, hop, je tombe lentement. Donc, hop. Les combats de ces machins qui doivent, je pense, être un peu... Oulala, oulala. Déjà que les sauts ne sont pas très bien ordonnés. Donc là, vous aurez constaté, il faut sauter bien avant. Donc là, je pense que ça va... Ça va durer longtemps. Là, il faut que je pense que je saute. Je pense que c'est pas celui-là qu'il faut que je récupère. Il va falloir que je me concentre. Oula, oula, oula. Je crois que je ne suis pas bon. Et en fait, je suis bon. Là voilà, on va passer la caméra comme ça. On peut que les placer en haut ou en bas. Ça qui est bizarre. Hop, là je vais le mettre le plus près possible. Donc apparemment ça doit être celle-ci qu'il faut récupérer en route. Là, la prochaine, c'est celle-là. Oulala. Regardez, c'est chaud avec la caméra en plus qui ne bouge pas droit. Il faut que j'aille là-bas en face. Là, je pense qu'il doit y avoir des trucs pour... Oulala. Que se passe-t-il ? Alors, j'ai l'impression qu'en fait, elle se place en fonction
vais voir si je peux pas sauter sur celle-ci là-bas en face. C'est faisable. Je vais voir ce que... Oups. Oulala, oulala, oulala. Je voulais voir si je pouvais passer sur cette plateforme. Et où ça m'emmènerait. D'accord, ça me ramène sur celle-ci. Donc c'est un peu bête. Est-ce que je peux ressauter dessus pour... Apparemment, c'est pas celle-ci où je dois aller. Apparemment, quand j'en saute sur une, ça change d'endroit. Apparemment, c'est sur la jaune que je dois aller. Je vais aller sur cette rouge. Ouais, là, ça m'envoie sur la jaune. C'est ce que je voulais voir. Alors, je voudrais un petit bug. Comme vous pouvez le voir, on arrive sur le premier hop, passage. Hop, en espérant que je ne tombe pas. Parce qu'apparemment, hop. Vous voyez, les sauts sont spatiales, tellement spatiales que faut doser son saut. Hop. Je vais sauter juste pour détruire le... ce petit ver, ce petit tétard. Hop. Et là, hop, on arrive, je pense, au dernier téléporteur qui va m'amener, je pense, dans un autre endroit. Donc, apparemment, c'est une salle. Apparemment, c'est un boss. Ça peut être le gardien du dieu géant d'acier. Donc, apparemment les missiles, ce que je lui envoie. Hop. Là j'ai pas pu esquiver, il va trop vite donc j'ai pas le temps de sauter. Je ne sais pas faire le saut en esquive. Donc... Ah là je suis parti dans le mauvais sens. Là aussi, je fais n'importe quoi sur ce combat. Hop. Apparemment, tout a l'air bien.
Normalement, il fait qu'une attaque, d'habitude, on en fait deux. Là, apparemment, pour. Quand il fait les missiles, hop, quand il fait ses missiles, je peux juste attendre. Voilà, ça, je ne peux pas l'esquiver, malheureusement. Hop. Je me suis bloqué contre le mur. Ça va, ces missiles-là ne font pas beaucoup de dégâts. Ça par contre, oui. Là, vous voyez, il ne reste plus beaucoup de vie. Faut pas que je me fasse toucher. Et voilà, hop, voilà la fin du combat. Apparemment. Voilà, hop, je me souviens de la fin. Pour réussir à le battre, il faut récupérer un des joyaux, comme ça, et le combat n'est pas à refaire. Et donc le robot se désintègre de lui-même. Et le combat se termine. Et ça, quand vous ne le saviez pas à l'époque, vous recombattiez le robot pour rien. Et donc, surtout là, avec bas en vie que je suis, j'aurais perdu. Ces bras par contre ressemblent à des toasters. Hop. これ、あげるよ。いらない。そう。でも、あんたがいらないんだったら、もらってあげる。いらないわけじゃないけど、君に持っててほしいんだ。 Donc voilà, donc c'est sur cette vision de Waffle en pyjama
que je vous remercie de m'avoir suivi pour ce let's play de Taï Concerto qui est malheureusement à remplacer celui de Crash Twin Sanity. Donc je le ferai peut-être un jour si un jour ça vient à être bon. Mais pour l'instant il ne sera pas d'actualité. Donc le prochain let's play que je vous aurai, je pense qu'il sera tout à fait intéressant. Le prochain hors-série sera aussi pareil. Donc, je vous en proposerai encore des hors-séries, ça ne vous inquiétez pas. Donc encore une fois, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis salut à tous.